louange et adoration. Alléluia. Et c'est vrai que ce matin, c'est un grand jour pour moi, un grand jour pour la famille ici, pour un grand jour pour le Seigneur, un grand jour pour la communauté chrétienne. C'est un jour, c'est le jour où je vous dis que à 15 ans de ma libération, c'est-à-dire en tant qu'homme libre, hein, libéré, mon fils libéré, comme on connaît le Seigneur Jésus. Mais c'est aujourd'hui, ça fait 15 ans en tant qu'un homme libre. Donc aujourd'hui, c'est un moment aussi que nous remercions le Seigneur ensemble avec l'Église, nous remercions avec toute la communauté chrétienne qui vient, pas juste Maurice, mais dans le monde entier, vient soutenir moi. Et si moi encore vivre aujourd'hui, c'est grâce à Seigneur Jésus-Christ. Mais le plus important ce matin, ok, c'est bon de témoignage, mais je les partage aussi ce soir, ce matin, surtout quand nous pécons témoignage. Je trouvais que je trouvais l'affiche, le poster, c'est mon Dieu, mon pédone, mon témoignage. Et moi, le prend sa témoignage, hein, le témoignage, la gloire pour le Seigneur. Monoulé prend-le d'une façon ce matin pour encourager chacun de nous pour partager ce témoignage et raconter cette histoire, ce que le Seigneur a fait dans nous la vie. Alors pour cela, nous pouvons axer nous toujours sur le témoignage. Moi, tu peux dire, je nous ouvrir nous la Bible. Dans le livre de Daniel, au chapitre 4, verset 2. Amen. Daniel, chapitre 4, verset 2. On peut prendre deux versets. Daniel, chapitre 4, verset 2. Et après, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Dans Daniel, chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu dit non. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Amen. T'as le pouvoir de ça? Hein? Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Amen. Et après, nous guettons un autre verset dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il dit comme ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen, alléluia. Alors, vous trouvez, frères et sœurs, avant qu'ils nous rentrent dans le sujet, nous baissons la tête de prière. Amen, alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce matin, nous rendons-toi grâce, nous remercie-toi, nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour tes paroles, merci, Seigneur, pour le privilège que tu te donnes, Seigneur, ce matin, pour partager tes paroles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bons enfants, Seigneur, qui sont réunis, Seigneur, ton nom, Seigneur. Quand ta parole dit, Seigneur, que là où il y a deux ou trois personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour toute la grâce. Merci pour tout ce qui te bien accompli dans la vie. Et ce matin, Seigneur, je voulais dire merci encore. Je ne pas trouver le mot exact, Seigneur, pour capable remercier toi, pour louer toi, pour glorifier toi, pour tout ce qui te fait faire dans la vie, Seigneur, et la vie de mon bonne famille, Seigneur. Et pas seulement dans mon avis, Seigneur, mais à travers moi, tu fais utilise moi, Seigneur, pour bénir les nations, Seigneur, Papa. Et ce matin, je voulais louer toi, je voulais t'en remercier, car tu es un Dieu vivant. Quand tu n'as pas fait une chance avec moi, ta parole dit dans Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Frères et sœurs, nous venons lire deux versets dans Daniel chapitre 4, verset 2 et Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nous pensons que ce premier verset dans le livre de Daniel là, nous pensons que c'est un verset il est bien, bien brillant. Pour quelqu'un comme le roi Nabuchodonosor, pour déclarer la bonté de Dieu sur la vie. Imaginez le roi, hein,
Et le roi peut déclarer la bonté de Dieu dans son avis. Dans le fond, pour moi, frères et sœurs, c'est un témoignage des conseils d'une banque de choses merveilleuses qui, bon Dieu, viennent faire dans nous la vie. Et aujourd'hui, il y a un moment où nous pouvons centrer nous tous le témoignage, ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais en même temps, on est encouragé de réfléchir ce que Jésus a fait dans ou la vie. Et Jésus dit à nous, vous serez mes témoins. Et la question qui me pose moi ce matin, est-ce que depuis que je connais le Seigneur Jésus, je fais la même sa rôle qui me pose ce témoin. Frères et sœurs, nous témoignage, c'est la preuve qui nous servit un bon Dieu vivant. Amen. Quand nous partageons nous l'histoire, ben miracle arriver et nous venir un vainqueur, frère et sœur. À chaque fois qu'il me donne le témoignage du Seigneur, miracle y opéré et nous venir une personne vainqueur, plus que vainqueur. Frère et sœur, ce matin, en tant que chrétien, en tant qu'un croyant, nous tout traversons, toute qualité, quelque chose dans nous la vie. Mais une petite chose qui me comprend dans toute sa qualité du fait, dans toute sa qualité, l'amour, valeur de l'amour, nous finit passer dans couloir de l'amour, dans toute qualité de difficulté. Bon Dieu, frère et soeur, le Seigneur Jésus-Christ, il finit toujours révéler un Seigneur dans toutes nos bonnes situations. Et je connais quand on peut dire ça, surtout, payer, situer tout dedans. Frères et sœurs, Dieu finit délivrer nous des bons accidents, bonnes attaques démoniaques. Dieu finit guérir nous. Il finit de nous de l'espoir. Quand pas c'est là l'espoir, il finit créer une lumière dans nous. Il finit créer de l'espoir dans une situation désespérée. Il finit briser tout bon la chaîne que tu peux bloquer nous, tu peux amarrer nous, frères et sœurs. Les films libèrent nous, les films libèrent ban prisonniers, les films libèrent ban captifs. Dieu fait de nous un lacasse, fait de nous un logement. Dieu fait de nous l'argent. Dieu fait pouvoir à nos nourritures, frères et sœurs. Dieu fait faire où, fait faire moi, fait propriétaire. Les films de nous enfants, mari et femme, mon madame. Il finit de nous la victoire sur l'ennemi, frère et soeur. Il finit de nous faire succès dans tout bon interview ou nous bon l'examen. Même dans ça, là, ça, on peut encore apprendre. Vous faites gagner un certificat, le même becker, frère et soeur. Dieu finit de nous une résidence, finit de nous un emploi. Frères et sœurs, ce matin, quand mon père dit où tu sens là, quand pas plus encore la liste du long, pensez à tout ça, ben, quelque chose qui bon Dieu fait faire pour vous et partage pour l'histoire. Deux témoignages, un de plus grands témoignages qui nous disait partager en tant que chrétiens. C'est qui nous fait naître de nouveau, frères et sœurs. Une fois qu'il nous fait donner la vie au Seigneur Jésus-Christ, tout ben les autres besoins pour être satisfait. La parole de Dieu dit à nous dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, la parole de Dieu dit à nous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données pour lui. Waouh! Bien que bon Dieu finit, promette-nous que tout, pas pour en rose, quand nous donnons la vie au Seigneur, mais il finit de nous une assurance.
n'importe quelle situation, frères et sœurs, qui nous peut traverser, les pour là avec nous. Qui fait mon pays où ça ce matin? Mon pays où ça par l'expérience? Mon pays où aussi parce que la parole de Dieu, il y a nous dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il y a nous. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen, alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, qui même nous marchent dans du feu, dans n'importe quelle chose qui peut arriver, nous pour traverser, bon Dieu pour en nous. Et la parole de Dieu dit, c'est bon Dieu en nous, qui s'en a capable contre nous. Romains chapitre 8, verset 31. Et encore plus, il dit nous dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il dit nous, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, galoper et ne se lassent point, ils ne sont pas fatigués. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, ce matin, vous pouvez nous donner ce verset-là. C'est un verset qui fait une confirme dans la vie. 5 ans, on passe dans le couloir de la mort. On reste dans le couloir, on fait face à la mort. Avant qu'il me Jésus, moi, je me perds pour moi. Vous connaissez pour un chrétien qui fait au père pour moi, c'est le péché, parce que la vie peut encore vivre dans le péché. Mais laisse-moi dire où ce matin confie de nous la vie au Seigneur. Pour appliquer la parole de Dieu dans la vie, au fin de vie, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Frère et soeur, ce matin, pour qu'il nous ait un grand témoignage, nous devons tenir aux promesses de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit, nous devons stick to it, pour nous dire en anglais, nous devons tenir aux promesses de Dieu. Nous devons déclarer de nos propres la vie régulièrement. Nous devons prophétiser de nos propres la vie tous les jours. Là, que vous expérimentez la puissance de l'intervention divine. Nous vous besoin raconte nous l'histoire afin qu'il nous témoigne. Frères et sœurs, comme tout en couloir de la mort, un membre du jury, à l'unanimité, qui représente la société mauricienne, dire quelqu'un comme moi, mon pénin a mon place pour vivre dans la société mauricienne, besoin pendiment. Bizarre exécutement. Vous regardez ça? On fait l'appel contre sa sentence, là, l'appel l'a tombé. 3 juges, 5 juges, la Cour suprême dit bizarre pendiment. On fait l'appel contre sa jugement là en Angleterre, au Privy Council. Là-bas aussi, 5 juges dit bizarre pendiment. Mais en attendant, frères et sœurs, pendant 5 ans là, Dieu fait une révèle lui-même dans sa couloir de l'amour là. Mon sœur, c'est toute qualité, bon Dieu, mon sœur, c'est toute qualité, l'apôtre, mon sœur, c'est. Moi-même, ça l'est, pourquoi j'ai pas de sorcier, pas de sorcier, mais prends ce cas, dire comme ça, ton garçon pour sauter. Côté, l'appel peut tomber même. Finalement, mon petit dégoût de bon Dieu, tout, mon Dieu, moi, pédassima. On passe dans un moment. Dépression. Frères et sœurs, vous voulez dire des affaires. Un petit chose qui se bien comprend. Là, quelqu'un peut rentrer, c'est sœur Doré là qui peut rentrer, c'était là. Sœur Doré. Ok. Donc, un petit chose qui me le fait comprendre. Même dans sa couloir de l'amour là, Dieu il révèle à travers un livre le Sadhusun Dorsing. Il n'est pas en moi. Et dans sa livre-là, on trouve un verset. Il dit, Dieu dit, mon fils, septembre, l'amour et la vie. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Les diamants choisissent la vie. Parole diamant, Sam, choisis la vie. Frères et sœurs, les temps me trouvent ça.
Le temps où trouve sa parole là, tout le monde peut cause l'amour. Vous pouvez entendre l'amour. Vous-même, vous pouvez envie de mourir. Mais le temps où on entend sa parole là, on trouve sa parole là. Et moi, en fait, je ne parle pas les mots. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Dieu dit, je finis cette œuvre, l'amour et la vie. Choisir la vie. Je choisis la vie. Et plus tard, quand je étudie dans le couloir de l'amour, Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère et soeur, elle sait quelque chose quand il peut dire, moi, je sais tout. Je dis à Bhagavad Gita, je dis à Coran, je dis à tout. Je dis, est-ce qu'il y a vraiment un bon Dieu? Il y a un bon Dieu qui existe? Est-ce qu'il y a un bon Dieu vivant aussi? Je dis, si tu n'as pas existé, mais tu mentis, tu fausses. Je dis, où est-ce que tu as joué tout? Je me plains au bon Dieu, je ne parle pas de du tout. Pour moi, il n'a pas existé. Mais le jour que je choisis la vie, je challenge Jésus. Je dis, Jésus, si vraiment tu es vivant, si vraiment tu finis faire tout ce miracle-là, tiens-moi dans sa cellule de l'amour-là. Moi aussi, je parle dans le monde entier, je parle dire, tu es vivant. Alors voilà, mon frère et soeur, devant ce 35 ans après, 15 ans, je dis, faire 15 ans, je quitte prison. Après qu'ils m'ont fait 5 ans dans le couloir de l'amour, 20 ans prison, j'ai mon père dit que Jésus vivant. Et mon dieu dans toutes les nations, et mon père continue à dire. Ça, Dieu là, frère et soeur, même quand il y a des difficultés, on peut passer. La parole de Dieu dit à vous. Même quand il y a des difficultés, on peut passer. Il dit à vous, il peut vous. Et c'est ça, pendant les dernières années. Bon Dieu finit intervenir beaucoup dans vos situations. Mon fils manque l'histoire. Pas la personne qui finit faire un journaliste en prison. Pas la personne qui finit gagner distinction en France. Pas la personne, frère et soeur, qui finit écrire un livre dans prison, mauvais cause prison Maurice. La personne, frère et soeur, et quand mon pédiaou, ça en 2003, ben la personne, c'est ce qu'a joué. 2003, deux ans après, encore, frère et soeur, les aides du monde, journalistes, trouve-moi innocent, écrire l'enfer d'un condamné à mort. Frère et soeur, mon pédiaou, ça ce matin, la gloire pour bon Dieu, mon témoignon. Qui Dieu finit toujours. Et pas fini ça. Tant que je peux montrer moi l'autre encore, un Canadien, finit un chapitre au moins. Je veux dire, ce titre c'est 10 people you have never met are about to change your life. Moi, un parmi ceux qui me changent sur la vie. Mais là, c'est le Seigneur qui finit sans sur la vie. Frère et soeur, je peux dire tout ça là ce matin. Je peux donner pour encourage ou. Pour donner témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie. Je vais faire l'expérience miracle, bon Dieu, d'une façon qui jamais je n'ai pas fait avant. Mais je vais prendre beaucoup de risques dans la foi en Dieu. Et quand on croit dans bon Dieu, on vous passe en action, frère et soeur. Et bon Dieu finit être. Ça bon Dieu qui m'a fait expert dans mon vie là. Moi, je suis prêt pour abandonner mon Dieu avec mon fils qui est haut. Mais moi, je finis être engagé dans un combat spirituel. Quand moi, je peux prier encore plus. Moi, je peux pleurer avec le Seigneur. Moi, je peux humilier moi. Dieu finit. Dévide-moi net, brise-moi net. Moi, je peux dire tout le temps, je peux dire, premier jour quand je suis sorti dans la prison, il y a beaucoup de journalistes, hein, beaucoup de médias, ça a l'air là, il y a beaucoup de médias. D'ailleurs, on peut donner une conférence de presse dans Plaza avec, pour faire un point de presse, ça a l'air là, 15 ans de cela. Mais frères et sœurs, ce qui m'a fait redire où
dans sa combat spirituel là, quand Jonas se pose une question première, vous trouvez le YouTube, MBC qui met ça sur YouTube, première qui sort qui ça Jonas, c'est à dire comme ça, prison là qui était, vous connaissez qui m'ont dit, moi j'ai dit comme ça, vous connaissez, moi j'ai dit comme ça, j'étais à l'école des dieux, 20 ans prison. C'est 20 ans à l'université des dieux, à l'école des dieux qui m'ont été. Dans ces 20 ans-là, après le cours journaliste, à l'université, je suis mon cours BA Bible, mon certificat BA Bible et théologie de l'université ICI à l'époque. Frère et soeur, il n'y a pas de donner à tout le monde ça, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ils m'ont dit, vous êtes tout qui peut écouter moi ce matin. Jusqu'à après, il y a, waouh, ça bon Dieu là, grand. Mais ceux qui m'ont fait encourager ce matin, qui bon Dieu, il me fait qu'il saute dans la ville ici. Et moi, mon père encourage qui aussi, ou bien ça donne le témoignage. Moi, le thème de ce matin, en fait, c'est partage ou témoignage. Parce que moi, un témoin de Christ. Moi, dans mon moment difficile, mon prier, mon combat spirituel, mon chercher la face de Dieu par le jeûne, mon lire sa parole et mon partage mon croyance avec les autres frères et sœurs. Et toucher là, on connaît qui finit arriver, finit enrichir mon témoignage. Alléluia. Mon fils trouve un démon, donne la vie à Jésus comme on peut donner, c'est mon témoignage, frères et sœurs. Quand on fait call to the altar dans un revival meeting, c'est bonne personne peut venir à genoux, peut donner la vie au Seigneur pour le témoignage du Seigneur, comme on peut donner le témoignage du Seigneur, miracle arrivé. Beaucoup de monde fait guérir, fait guérir un breakthrough et un témoignage divin à travers ses paroles, frères et sœurs. Frère et soeur, c'est qui m'ont capable de me dire ce matin. Je les encourage pour qu'ils écoutent moi ce matin. Jésus dit comme ça, pas toi qui finis choisir moi, moi qui finis choisir toi. Et quand il finit choisir toi, il finit choisir toi pour un but spécifique pour ton travail, le salatier là. Il finit toi aller prêcher la bonne nouvelle. Comment tu peux prêcher la bonne nouvelle? Tu peux prêcher la bonne nouvelle à travers ton témoignage. Il dit comme ça, vous serez mes témoins. Alléluia. Frères et sœurs, qui fait nous besoin de partage nos témoignages? Qui fait nous besoin de témoignages? Laisse-moi encourager ce matin. Quand on peut donner aux témoignages, frères et sœurs, il encourage les autres dans la foi. Numéro 1. Quand on peut donner aux témoignages, il peut aider les autres faire face, confronter eux-mêmes à eux-mêmes avec des obstacles, afin qu'ils soient capables de faire confiance pour Dieu. Il y a beaucoup de monde qui peut lutter. Il y a beaucoup de monde dans le terme anglais qui peut battling. Demande un petit minute dans une soirée. Story. Quand on peut donner un témoignage, ce qu'il fait, il aide les autres pour confronter à même obstacle qu'il est capable de traverser. Témoignage, frère et soeur, il aide les autres pour établir, et plutôt pour dire, pour rétablir une relation avec bon Dieu, ou bien établir une relation avec bon Dieu. Quand on peut donner un témoignage, les commandants, elles lâchent les prisons, les déverrouillent, les unlocks, hein, les ouvrent la porte de prison qu'ils trouvent dans leur propre équerre. Et ça, le trouve-lui dans la Bible. Et moi, je trouve moi. Malgré en prison, malgré les barreaux, malgré les murs, qui est arrivé? Moi, un homme libre. Ah, comment il y a mon vie libre? Parce que par l'Esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu qui dit, oh, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et cette liberté, frères et sœurs, moi, je trouve
saute depuis dans prison, quand on vit en dehors prison, on trouve beaucoup de monde qui pas dans une prison, saute dans une prison. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans, à nous, qu'est-ce qu'il dit dans Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, verset 25 à 34, quand Paul et Silas peuvent louer le Seigneur, peuvent chanter, qu'il arrive? La porte prison ouverte, frères et sœurs. Donne des moyens, c'est quoi ça ce matin? Qui nous peut faire? Nous peut louer bon Dieu, nous peut glorifier le Seigneur. Nous avons chanté pour le Seigneur. Qui est arrivé? Ben, la chaîne tombée. Quand on peut louer le Seigneur, il y a un miracle arrivé. Quand on nous tous peut réunir dans une seule équerre, un seul esprit, l'Esprit de Dieu lui manifester signes et prodiges pour arriver, frères et sœurs. Les témoignages, frère, quand on peut donner témoignage, il y a une façon pour rendre grâce, mon Dieu. Ésaïe chapitre 12, verset 4, alléluia. Merci Seigneur. Quand on peut donner témoignage, il y a une autre petite chose encore. Il montre-nous que nous sommes le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueur. Et il nous donne la victoire. Apocalypse chapitre 12, verset 11, mon fait lire. C'est ça le premier verset que je fais lire. Apocalypse chapitre 12, verset 11, c'est le témoignage de nous, fait nous une personne vainqueur, victoire. Et finalement, le témoignage apporte miracle. Frères et sœurs, ce matin, vous les encourageons. Commence, raconte aux histoires. Commence à raconter qui Jésus fait dans la vie. Amen. Jésus finit de dire, connais, nous tous nous passons par une difficulté. Nous tous nous passons. Jésus pas fini de dire qu'il nous la vie pour une la vie pour manger le tapis rouge ou la vie pour en rose. D'ailleurs, dans Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, verset 12 à 13, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Frères et sœurs, ce matin, qui fait au papier ouvert ou la bouche pour donner le témoignage ce matin? Beaucoup de gens viennent là pour écouter mon témoignage. Et moi, ce matin, je les encourage. Mon témoignage, frères et sœurs, il est partout. Mon témoignage, vous parlez de YouTube, ou guettez, ou vous tendez, vous pouvez causer le Seigneur, vous donne mon témoignage. Mon témoignage, il est dans le livre. Ou capable d'acheter toujours pour faire publicité en haut, 350 roupies, il n'y a pas de changer. Il y a encore pareil. Et là, tout là-dedans. Mais ce matin, frères et sœurs, le plus grand kit de choses, Jésus dit, vous serez mes témoins. Qui Jésus fait dans la vie? Comment moi, je peux raconter? Qui fait ou pas capable de raconter, frères et sœurs? Moi, je vais commencer tous les jours dire ce que Jésus a fait dans votre vie. Et vous pouvez trouver là comment ou la vie pour être transformée. Moi, je suis dans prison. Dans chaque prison qui m'a fait aller, nous venons créer une cellule que nous pouvons louer, nous pouvons glorifier. Moi, j'ai une longue liste, moi, aujourd'hui, j'ai une longue liste. Moi, prier pour les autres gens. Nous prier pour les officiers de prison. Nous prier pour les commissaires de prison. Nous prier pour les autorités. Moi, nous prier ensemble pour le premier ministre, pour le président. Nous prier pour ban professeur, nous prions pour les hôpitaux, pour ban docteur, nous prions pour sa ban personne là, nous prions pour nos familles, nous intercédons pour nos ban enfants, nous prions pour le pasteur, pour l'église. Frères et sœurs, moi exhorte ce matin, donne ce témoignage et je peux trouver comment je la vie pour transformer. N'a pas gagné honte pour que Jésus. Parce que quand moi, je suis dans Jifé, quand moi, je suis dans cellule de la mort, entre la vie et la mort,
mon la religion, mon redire mon pays ça mon la religion parce qu'à tia moi. Mon retour ça ban qui chose qui nous tu peux prier ban idole tout ça pas capable tia moi. Mon argent pas capable tia moi. Mon famille pas capable tia moi. Mon contact politique pas capable tia moi. Mon ban avocat pas capable tia moi. Celle qui finit tia moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le roi du roi. Et Jésus-Christ, frères et sœurs, je l'ai dit à tous ce matin, Jésus-Christ vient vaincre l'amour. Avant, je suis pépé à l'amour, je suis déjà dans le couloir de l'amour, mais le jour qui m'a fini donner la vie au Seigneur, je n'ai plus pépé à l'amour. Je suis dit comme ça, toi, Jagnat, je ne sais pas pour capable de toucher toi, livrer. Je suis dit que je mon écho, mais mon vie, mon âme, tu pas pour gagner toi. Vous connaissez moi là. Quand on gagne sa confiance là en moi. D'ailleurs, nous pouvons dans la foi. Quand on gagne sa confiance là dans moi. Vous connaissez qui est arrivé, frère et soeur? La porte prison là ouverte. Quand la porte prison était, la porte prison est dans moi-même. Première question, c'est mon participe capable de pardonner. Je dis Seigneur, donne-moi ton esprit de pardon. Bon Dieu, fin de moi son esprit de pardon et moi commence prier. C'est là la clé. Si on dit dans les cœurs, réfléchis, check sur les cœurs ce matin. Si il y a un ressentiment, si il y a la haine, si il y a quelqu'un qui dit une fin blessé, je ne suis pas capable de pardonner. Allez vers Jésus. Ouvert ou la bouche, confessez, c'est ouvert ou la bouche, dire Jésus. On ne peut pas être capable de pardonner ça, est-il là? Dis Marie, blesse-moi, dis Marie, fais ça. Comme ça. Déçu, dit Jésus, quand toi tu n'es pas capable, Jésus capable. La parole de Dieu dit tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Amen, alléluia. Toi tu n'es pas capable. Mais laisse Jésus faire un travail impossible. Qui fait que tu casses la tête? Qui fait que tu peux pleurer? Arrête de plaigner. Arrêtez de plaigner quand vous trouvez une situation. Moi, pas tu peux plaigner, moi. Au contraire, quand la pédiatre pour moi, je dis à la vie. Je dis à moi pour vivre. Et moi qui me viens, moi dans prison, je trouve moi en dehors prison. Je trouve moi en dehors prison, je peux prêcher. Je trouve moi en dehors prison, je peux écrire en tant que journaliste. Et voilà. Mais dire tout le temps, moi, je viens dire tout ce qui vous confessez ou possédez. What you confess, you possess. Alors, guette bien. La première fois qu'il m'a dit ça, guette bien que vous pouvez confesser. Confesse la vie, le où. Confesse la santé, le où. Ou la santé mentale, spirituelle, physique, le où. Au nom de Jésus, mon fini guéri. Au nom de Jésus, mon fini guéri. Douleur la tête dans le nom de Jésus. Quitte mon écho à Dieu. Merci Seigneur. J'espère ce matin, il y a un moment que nous tous ce matin, nous payons, c'est 15 ans, hein, c'est 15 ans de haut. Et dans ces 15 ans-là, vous connaissez quand on saute dans prison, frère et soeur, avec 800 roupies. 20 ans, 40 roupies. Multiplié par 20 ans, ben là de nous quand on sortit 800 roupies, qui va le faire? Un restaurant, un mois, un taxi, vous ne pouvez pas payer pour sortir depuis prison enrichie pour venir à la case. Et on apprend le journaliste, on apprend tout, c'est le bureau du Premier ministre même qui te donne l'autorisation. Mon premier article, m'a écrit dans 5+, je me rappelle le bureau du pour lui, premier reportage. Mais il a mal le code de presse, le même bureau du Premier ministre, le même ministère de l'Information, je n'ai pas demandé la code de presse. Qui fait à cause de me faire prison? Voilà. Qui m'a ouvert? Plein? Non. Le même, l'année, il y a 2007, bon Dieu, envoyez-moi à Singapour, tout frais payé. Institut Haggai, vous ne connaissez pas, quand il est venu, c'est le Seigneur. Je fais un mois, je fais mon séminaire là-bas, quand je fais leadership training. Je viens, je retourne Maurice, je te connais. Je viens le directeur, rédacteur en chef de Liberté Plus, je écris pendant 2 ans. Ça aussi, vous pouvez dire où?
Chrétien qui chrétien pas oublier acheter, je vous préfère acheter ça et plus week-end pas guetter, mais journal du Seigneur, c'est pas il pas marché. Mais bon Dieu, ce plan n'est pas le plan. Isaïe chapitre 55 verset 8 à 11, n'est pas ce plan. Et quand je vous trouvez aussi dans tout mon interview ceux qui sont un peu âgés là, on dit jamais mon pas pour marier, jamais mon pas pour marier. Mais finalement, bon Dieu, ce plan l'idole. Finalement, nous marier en 2007, moi c'est 2008, moi j'ai entendu dans Madagascar, nous marier, et voilà, c'est 14 ans de mariage, et nous bien, la vie complète. Mais, il y a les autres petites choses, parce qu'ils causent la parole de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, ou bien aussi pour vivre, pour manger, pour boire, mais Dieu lui pourvoit. Voilà, parce qu'il y a deux là capables de témoigner ça. Mon jeune docteur Leslie James, dans sa présence, au lieu qu'il m'a fait l'interview lui, en tant que journaliste, il interview moi. Pasteur Doré, là, tu fais caméra. Bon, qu'on rappelle, Codon. Hein? Donc, il est là, après 2010, le docteur Leslie James a fait une opération l'équerre. Il fait une bien proche. Et là, il fait une diagnostic, si nous capables de venir de l'île. Et là, moi, quand je suis allé, et là, moi, je vais raconter une longue bande d'histoires visables, l'autre, pasteur Doré, là, capable de donner un autre témoignage. Attends, je ne suis pas supposé gagner, je ne suis pas supposé même à voyager. Hein? Et pour la grâce, bon Dieu, je gagne mon visa. Nous restons 7 ans là-bas. Moi, je suis administrateur, lecturer dans leadership training, enseigne mon futur pasteur et missionnaire, pour être ordonné pasteur là-bas. Donc voilà, voilà ce que le Seigneur a fini de faire. Et après, nous continuons de travailler dans les nations et encore, et encore, et encore, pour venir depuis que nous avons fini à AFM. Mais avant qu'il m'ait parti, je connais AFM. Donc voilà la famille, ce matin, il y a un moment de nous rendre grâce, bon Dieu, nous remercier, bon Dieu, nous finir encourage. Pas hésiter, donne ce témoignage. Vous voulez maintenant, à chaque fois quand cette pousseuse témoignage, les suivez avec signes et prodiges. Amen. Nous baissons la tête ce matin. Nous prions. Vous voulez aussi remercier tout bon pasteur, tout bonne personne qui peut continuer supportement dans le ministère, qu'il soit financièrement, qu'il soit tout, l'Église. Et toute bonne personne, même ici, même à l'extérieur, vraiment, si ajoutez mon COVID, je peux encadrer moi. Merci, pasteur Alain. Merci, pasteur Alain. Merci, pasteur Christian, tous les pasteurs. Merci, soeur de Réas et tout. Merci, mon frère, mon brother, frère Joe et toute l'équipe. Merci pour votre amour. Merci, je t'en coupe petitement, hein, financièrement, mon pédia, hein, qui nous est capable. Et il n'est pas facile, mais Dieu les pouvoir. Et mon pédia, ça nous a fait qui. Il y a beaucoup de miracles comme ça qui sont arrivés, même hier. Hein? Même hier, même un miracle extraordinaire. Mais Dieu l'a fait là. Mon petit jeune comme ça qui. Pas quand je peux passer dans un moment difficile, continue à confesser Jésus-Christ, le maître de la situation. Fixez au regard le Jésus-Christ. Une autre leçon qui m'a capable de partager aux autres, qui. Dieu est pour toujours là, même dans le vallée de l'amour, il est pour là, il est pour accompagner. Quand vous avez une difficulté pour vous, un conflit pour vous, monsieur, madame, conflit pour vous, ça. Mais toujours, monsieur, mari et femme, quand vous êtes marié, vous êtes marié devant le Seigneur. Quand vous pouvez dire, première petite chose, quand vous avez un conflit, dès que mari et femme, papa d'accord, assis et dire, Jésus qui dit. Parce que moi, je suis marié avec Jésus. Tant que je suis marié avec Jésus, nous avons Jésus qui dit dans sa parole. Et là, vous trouvez que la vie est facile. Je suis venu passer, le frère Marvin, C'est ça qui est très important. Il est très important qu'il nous applique la parole de Dieu dans la vie. Nous applique la parole. Et pas si c'est appliqué, nous cause la parole de Dieu. Et quand on peut causer, c'est une puissance qui peut sortir, c'est une autorité qui peut sortir. Et ça, l'autorité là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie en abondance. Donc ce matin, frères et sœurs,
Nous baissons la tête, nous prions, nous rendons grâce, mon Dieu, ce matin. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, merci ce matin. Là, Seigneur, après 15 ans, après 35 ans, Seigneur, pour tous ces miracles, Seigneur, que tu as fait dans ma vie. Merci, Seigneur, ce matin, pour partager avec nos bonnes frères et sœurs. Merci, Seigneur, ce matin, pour prier, Seigneur, que quelqu'un, Seigneur, ce matin, finisse guéri, Seigneur. Que ce matin, quelqu'un finisse béni, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, la porte finisse ouverte, Seigneur. Qu'elle ne pas partir dans la porte, partir dans aucune direction, pas ne trouve dans rien. Ce matin, à travers ce témoignage, Seigneur, la porte finisse trouver une direction. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon dimanche, bénis tous ceux, Seigneur, papa. Bénis ceux, Seigneur, qui sont encore dans le doute, Seigneur. Ouvrir, Seigneur, enlève tout mon doute, Seigneur, quand tu es le chemin, la vérité, la vie. Merci, Seigneur. Mon Dieu, merci pour ta grâce encore dans ma vie. Mon place, moi-même, mon place, Tandjuna, mon place, tous les pasteurs, mon place de tout, Seigneur, ce matin, devant toi, Seigneur, qui te bénis chacun d'eux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Voilà. Seigneur, bénisse.